Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous explique comment réussir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. J'ai consacré plusieurs vidéos à l'épreuve E51 qui couvre la gestion des risques et la démarche qualité. Alors, j'ai réalisé une première vidéo qui présente globalement cette épreuve et 5 vidéos complémentaires avec des conseils utiles à différentes étapes de votre travail. La vidéo actuelle s'intéresse à la description de l'entreprise et de son contexte et aux analyses qu'il faudra intégrer à votre dossier. Pour réussir l'épreuve E51, la première chose à faire est d'abord de suivre les cours correspondants et d'en maîtriser le contenu. Vous devez vous baser sur les enseignements du domaine professionnel numéro 2 qui portent sur la gestion des risques et la démarche qualité. Vous devez savoir à quoi correspondent ces notions et comment les appliquer concrètement dans l'entreprise. Mais vous devez aussi mettre en œuvre des savoir-faire, des méthodes qui sont enseignées dans ce cours, par exemple la conduite de projet ou la mise en place d'une veille. De même, vous pouvez puiser des éléments utiles dans d'autres enseignements du BTS. C'est en particulier le cas pour l'analyse managériale et la démarche qualité qui sont abordées en CEJM. Le domaine professionnel numéro 4 est un peu une boîte à outils dans laquelle vous pouvez puiser abondamment. Vous pouvez y trouver l'analyse du marché de l'entreprise, la notion de système d'information, la formalisation de procédures, l'analyse de l'existant, la proposition de solution, la gestion du temps et plus globalement la résolution de problèmes. Et bien entendu, vous aurez besoin d'appliquer des bases de communication et d'utiliser divers outils numériques pour le travail collaboratif, le PJI, la veille, la gestion du temps. J'ai réalisé plusieurs vidéos sur des outils d'organisation et sur la communication, alors n'hésitez pas à vous en inspirer. Au niveau de l'entreprise, votre dossier va commencer par une analyse du contexte et une analyse managériale. Elles peuvent être lancées dès que vous avez la certitude sur votre lieu de stage ou d'alternance. Une partie des éléments peuvent être récupérés sur des espaces publics, par exemple sur le site de l'entreprise ou sur des sites spécialisés qui recensent des informations sur les sociétés commerciales. Par contre, vous devrez attendre d'être dans l'entreprise pour ajouter des informations précises sur la politique commerciale ou sur les aspects managériaux. Soyez transparent avec votre entreprise. Vous avez des obligations de confidentialité et il n'est pas question de récupérer des informations dans leur dos. Mais vous avez également besoin de ces informations. Elles sont essentielles pour vous permettre de réussir votre examen au même titre que les activités que vous allez mener au quotidien. Normalement, vous avez pris la peine d'échanger avec l'entreprise à ce sujet au moment de votre recrutement. Si nécessaire, vous pouvez tranquilliser vos interlocuteurs en leur rappelant que ces informations resteront confidentielles, que certaines données peuvent être anonymisées et que les membres du jury ont des engagements déontologiques à cet égard. Il n'existe aucune préconisation sur la taille précise de ces deux analyses. Mais gardez en tête que le dossier, globalement, ne doit pas dépasser 12 pages et que l'essentiel est au niveau du projet que vous allez mettre en œuvre. Donc il est sage de se limiter à quelques pages, environ 4 à adapter selon la complexité de votre entreprise. Ça vous oblige à faire des choix et à utiliser des éléments visuels, des graphiques, des images, des cartes, des schémas qui vous feront gagner de la place sans trop restreindre votre message. Pensez aussi à bien détailler les éléments qui permettront de comprendre un contexte atypique de votre projet. Par exemple, une activité ou une organisation peu courante, ou encore un historique complexe justifiant le choix du projet. Attention à ne pas vous contenter de copier-coller des éléments déjà existants dans l'entreprise, par exemple le dossier commercial ou le rapport d'un précédent stagiaire. On attend de votre part un travail personnel, actualisé, que vous maîtrisez et que vous saurez expliciter pendant l'oral. Vous devez ensuite réaliser une analyse globale des risques de l'entreprise et de la démarche qualité. Et ça correspond au cœur de l'enseignement du D2. Alors, sauf besoin particulier, ne dépassez pas 2 pages pour ces analyses. Côté risque, on attend un panorama complet de la gestion des risques dans votre entreprise. Commencez par une réflexion générale sur la manière dont les risques sont traités. Stratégie globale, une personne en charge, des procédures. Passez ensuite à un descriptif des risques existants dans chacune des catégories. Risques liés à la santé, sécurité, risques environnementaux, risques financiers, etc.
Vous devez les lister avec un niveau d'évaluation. Il faut pouvoir distinguer les risques majeurs et ceux plus anecdotiques. Et puis, indiquer les actions correctrices qui sont mises en place. Cette partie est souvent présentée sous la forme d'un tableau de synthèse. Si les risques bénéficient d'une attention particulière dans l'entreprise, vous aurez accès à un interlocuteur privilégié et à des documents préexistants. Mais là encore, attention à avoir un regard synthétique et personnel et ne pas vous limiter à du copier-coller. Au niveau de la démarche qualité, on attend aussi une analyse globale de ce qui est mis en place dans l'entreprise. Alors dans certaines PME, c'est une préoccupation importante et vous trouverez des procédures, un cadre de certification et des personnes responsables formées dans ce domaine. Dans ce cas, vous devrez effectuer une synthèse de ce qui est mis en œuvre, par exemple des procédures, des certifications, etc., et identifier les stratégies qui s'y rattachent. Au contraire, d'autres PME n'ont pas conscience de s'inscrire dans une logique d'amélioration qualité. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien dans ce domaine. Recherchez comment l'entreprise identifie puis résout les problèmes auxquels elle est confrontée. Par exemple, en interne, au niveau administratif, commercial ou de la production, ou bien en externe par rapport à ses clients et à ses fournisseurs. Toutes les entreprises cherchent à gagner en efficacité et ont besoin d'adapter leur fonctionnement. Donc, même si elles ne vont pas le formaliser comme étant de l'amélioration qualité, on est dans cette catégorie et vous devez l'identifier. Voilà, vous savez désormais quelles informations réunir sur l'entreprise et les analyses qui seront nécessaires pour cette épreuve. Je vous invite à visionner ma vidéo suivante dans laquelle j'aborde précisément la démarche de projet et la veille associée.